et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo calendrier de l'Avent, mais spéciale, entre guillemets, swap youtubeuse. J'ai décidé, enfin, Elodie m'a proposé même, de la chaîne Elodie Moitou, de partager ensemble un calendrier de l'Avent pour ce mois de décembre, pour patienter avant Noël. Et j'ai accepté avec plaisir parce que j'adore les vidéos d'Elodie, j'adore sa façon d'être, sa personnalité. J'ai pu la rencontrer une fois déjà au mois de juin, je crois. On vous avait montré ça sur les réseaux. C'est une fille adorable, comme dans les vidéos. Et du coup, j'adore. Donc, si vous aimez ces vidéos, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez ces vidéos. Et puis, je pense que dans l'autre sens aussi, ça marcherait. En tout cas, si vous venez de sa chaîne, eh ben, bienvenue ici. Donc, moi, c'est Karine, la chaîne Karine Miss Boop. J'ai donc reçu enfin aujourd'hui son colis. Alors, je dis enfin parce que, oui, il a mis un petit peu 6 jours à... Il avait 6 jours de retard en fait parce que nous sommes le 6 décembre et je devais le recevoir à peu près autour du 1er. Elle avait même envoyé avant moi, mais Mondial Relais a fait les siennes. Donc il est là et il est en bon état, il est sublimissime. Je vous mettrai quand même une jolie photo pour vous montrer vraiment l'intérieur, mais tout est dans les couleurs de Noël, donc c'est superbe. Et j'ai vu qu'elle a fait une petite carte parce qu'elle, elle est créatrice de cartes comme ça, qui est vraiment très très bien faite, une petite carte avec un petit mot doux fait à l'ordinateur, trop mignon, avec le petit traîneau du Père Noël et tout. Et elle me dit donc, coucou Karine, je suis ravie d'avoir fait ce swap calendrier de l'Avent avec toi, j'ai pris le temps de chercher des petites choses pour toi et j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer tout ça. Et j'espère que certains cadeaux taperont dans le mille au milieu des cadeaux plus simples. Bon, c'est ce que moi aussi j'ai fait, on a essayé de varier parce qu'on n'avait pas un budget non plus de 350 €, hein, et on avait un budget raisonnable, mais bon, on pouvait pas faire des folies à chaque paquet. En tout cas, j'espère beaucoup j'aime beaucoup ce que tu fais, ce que tu es. Trop contente de te connaître en tout cas, et j'ai hâte de te revoir, moi aussi. Pourquoi pas dans le Nord? Ben avec plaisir, tu es la bienvenue ici. Je t'embrasse fort, toi, les petits, ton mari, sans oublier le petit bout en cours de préparation. C'est trop mignon. Gros bisous, Elodie. Donc, trop mignon. Et je vois qu'ici, elle a mis le menu du swap qui est souffert... un peu comme ça, sous forme de parchemin, ouais, c'est trop mignon. Donc voilà, va falloir que je trie les paquets. Je nous ai mis dans une ambiance de Noël. Je sais pas si ça restera comme ça pour les prochaines vidéos. Et j'ai un nouvel éclairage, donc je suis pas encore une pro de l'éclairage, si c'est pareil blanche ou quoi. Ne vous inquiétez pas, je vais m'améliorer. Donc son menu, il est trop mignon. Oh là là, il est trop beau. Alors effectivement, moi je me suis plantée, j'ai fait 25 cadeaux. J'ai fait 24 cadeaux et un cadeau pour le 25, pour le jour J, on va dire. Et Elodie m'a dit qu'elle avait pas fait ça parce qu'elle me l'avait dit 30 fois. Hein, mais moi, j'ai pas retenu. Donc voilà. Donc là, c'est le menu. Il est vraiment trop beau, hein, vous voyez. Elle a vraiment trop de talent, cette demoiselle. Trop de talent. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. Maintenant, je vais m'amuser à trier tout ça pour trouver le cadeau 1 à 6. Ça va être chaud, ça va être chaud, et tu pars de 3. C'est la fin, dedans, le 2. 17. Ça sent bon, ça sent bon. Je sais pas si ça sent bon, mais ça sent bon. Aïe, j'ai récupéré tous les petits paquets. Donc, premier numéro 1 pour avoir chaud lors de tes voyages Paris-Lille. Bon, alors si vous me suivez pas ou si vous me suivez déjà, je fais beaucoup les allers-retours Paris-Lille puisque je travaille encore à Paris, mais j'habite maintenant à Lille depuis peu. Donc, je sais pas. Mais ça a l'air mout-mout, très confort et tout. Qu'est-ce que ça peut être? J'allais dire des chaussettes, mais non, c'est pas possible parce que dans le train, faut pas abuser non plus, je vais pas me mettre en chaussettes. Je sais pas, vraiment, j'ai pas d'idée. Ah, peut-être une super écharpe ou un truc comme ça. C'est peut-être ça. C'est une bonne idée d'ailleurs. Waouh, trop belle. Effectivement, c'est une jolie écharpe grise en grosse maille comme ça, très belle. Gris foncé avec des petits fils dorés, sublime. Alors, je ne sais pas d'où elle vient, de chez Camailleux. Eh ben top, c'est une super idée. On commence dans le pratique et le confort, c'est top. Numéro 2, une marque de ta wishlist, je crois. Tellement de choses de ma wishlist. ça a l'air d'être... un petit carré, peut-être un crayon pour les lèvres ou un rouge à lèvres. Oh, trop bien. Oh là 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 là, bon déjà, ça commence grave bien. C'est un rouge à lèvres ultra matte lip de la marque Colourpop. Honnêtement, c'est mon tout premier, le souffle. Effectivement, c'est dans ma wishlist parce que j'ai presque pas de rouge à lèvres de cette gamme-là. Oh là là, il est trop beau. Oh, il est magnifique, c'est mon tout premier. Enfin, je dois en avoir un que j'ai acheté d'occasion, mais là, voilà, tout neuf, tout beau. Je sais pas si vous verrez bien la couleur,
C'est une sorte de fuchsia. J'essaierai de vous mettre un swatch à la lumière du jour demain matin, comme ça. Que oui, là, il est tard. J'ai reçu le colis qu'il n'y a pas très longtemps. Numéro 3. Ça se présente comme ça. L'indice, c'est ridicule, mais tu plairas à ta fille et c'est pratique. Je plairai à ma fille. Qu'est-ce donc? Tu plairas à ta fille. Indice vraiment particulier. Est-ce que je t'ai mis des indices comme ça? Trop mignon. Mais je ne sais pas. Alors là, pas d'idée. Oh bah oui. Oh bah alors là, tu sais que j'en ai pas des comme ça. Et alors là, ma fille, mais elle va me piquer. C'est clair. C'est un masque pour les cheveux. Un handband comme ça de chez Primark. Alors, pas du tout vu ça à Primark. Mais il est trop beau en licorne comme ça. Mais il est waouh, il pète. Hein. Il envoie du feu. Il est trop, trop beau. Bon, ça, vous le verrez dans mes futures vidéos tuto maquillage ou dans mes vlogs, sûrement. Je vais le tester. Et effectivement, ma fille va vouloir me piquer. Numéro 4. Miam. J'ai découvert il y a peu et j'adore cette gamme. Bon, vu la forme, c'est du chocolat. Si on me connaît bien, on sait que je suis gourmande. Donc, voilà, du chocolat, ça ne peut que me plaire. Miam miam. Alors c'est du chocolat de chez Lindt au nougat. Je connais pas du tout, enfin je connais Lindt mais je connais pas du tout cette gamme là. Donc ça m'a l'air divin, ça vous retrouverez sûrement en train de le déguster sur Instagram. Vous direz mon avis mais je pense que ça va beaucoup me plaire. Eh, c'est pas mal d'ouvrir plein de cadeaux d'un coup quand même. Le numéro 5, une marque que tu adores ici pour tes mains. Alors c'est hyper lourd le packaging. Bon, ça s'enfuit de petits rubans. Une marque que j'adore, c'est mains. Donc ça a l'air d'être un flacon pompe. J'adore plein de marques. Alors là, j'ai pas d'idée. J'allais dire peut-être Bath & Body Works ou quelque chose comme ça, mais peut-être. Ah non, trop bien. Oh non, mais t'es malade. C'est Rituals. Oh là là, c'est trop bien. Oui, alors c'est une marque et une gamme que j'adore vraiment beaucoup. C'est la Ritual of Sakura. Et du coup, donc c'est aux fleurs de cerisier et riz blanc, je crois, au riz au lait. C'est une odeur divine. J'avais toute la gamme pour le corps que j'ai adoré, que j'utilise. Dès que je peux, je la rachète. Mais alors, pour les mains, en gel pour les mains, comme ça, j'ai jamais utilisé. Donc, je suis ravie. Non, mais là, tu tapes trop fort. Et numéro 6. Et puis, demain, on se retrouvera demain pour le numéro 7. Pour que tu brilles pour les fêtes. Non, ça, c'est le numéro 7, pardon. Et numéro 6 pour ton planeur. Ça doit être des washi tape. De chez Action peut-être. Oh, il y en avait trop qui me faisaient envie, mais que je n'avais pas. Est-ce que je les ai, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois pas les avoir. Trop bien. Super idée. Du washi tape de chez Action. Voilà. Trop, trop belle idée. Ça, j'adore. J'en ai pas mal comme ça, mais je suis trop, trop fan. Donc ça, c'est top. Bon, ben, on se retrouve demain. Coucou, on se retrouve pour le jour 7 du calendrier de l'Avent. Juste pour vous montrer sur les lèvres, du coup je porte un des cadeaux du calendrier de l'Avent, celui de la marque Colourpop, donc le rouge à lèvres mat. Il est trop trop beau. C'est exactement le genre de couleur que j'aime beaucoup porter. Et un peu difficile à mettre sur le coup, je pense qu'il faut mettre un petit coup de crayon avant pour pas trop aller sur les bords ou se planter, mais très très beau. Alors c'est marrant parce que la pastille n'a rien à voir. Quand je l'ai vu hier d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, je me suis dit oh là là mon dieu c'est un rouge, je n'aime pas le rouge. Là, pas de soucis, c'est un très beau rose, donc ravi. On continue donc avec le numéro 7 qui se présente comme ça, si je ne me suis pas trompée. Pour que tu brilles pour les fêtes. Alors je suppose que ça doit être une palette d'enlumineur ou quelque chose comme ça. Vu le thème et vu la taille, ça m'a l'air d'être ça. C'est bien emmitouflé pour éviter toute casse. Alors quand je vois ça, je ne sais pas du tout ce que ça peut être comme palette. Je n'ai aucune idée. Hop là. Oh, trop bien. C'est de la marque Core Color Pop. Ça tombe bien. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est la This Is For You Highlighter Palette. Donc je ne connais absolument pas Color Pop, que ce soit les palettes ou quoi. Je dois avoir juste un rouge à lèvres, un deuxième maintenant, mais un rouge à lèvres que j'avais d'occasion et deux petits pempots comme ça, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Waouh. Trop beau, merci Elodie. Oh là 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 là. Des tueries. Ils ont l'air magnifiques. Avec ces éclairages, je ne sais pas si vous verrez bien la différence, mais il y a trois couleurs différentes. Ils sont très très beaux. Il y en a un qui est plutôt dans les tons roses, un plutôt champagne et un petit peu plus
rosé. Là, vous voyez, 1, 2 et 3. Trop, trop beau. Oh là 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 là, ils ont l'air d'envoyer du pâté. Ils ont l'air trop beaux. Waouh, merci, merci pour ce dernier cadeau pour cette semaine-là avec nous. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'Elodie, je vous la mettrai bien sûr en barre d'infos, ainsi que sa chaîne si vous voulez aller la suivre. Et honnêtement, c'est sept premiers cadeaux. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir en ouvrir 16 d'un coup. Hein. J'ai un peu triché, mais c'est pas de ma faute. Hein. C'est Mondial Relais. Mais en tout cas, ces sept cadeaux, ces sept premiers cadeaux sont juste divins. Je remercie du fond du cœur Elodie pour tous ces cadeaux qui sont juste merveilleux. Pour l'instant, je suis conquise. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez envie de voir la suite, les 7 prochains cadeaux. On va se donner rendez-vous à chaque fois tous les dimanches pour l'ouverture de ces calendriers de l'Avent. Et si vous voulez voir mes autres calendriers de l'Avent qui sont achetés dans le commerce, j'ai trois autres calendriers de l'Avent. J'en ai un qui vient de Boots à Londres, qui est de la marque numéro 7, et deux de Nature et Découverte, qui sont plus des gourmandises ou des confitures. Je vous montre tout ça sur mon Instagram si ça vous intéresse. Et je crois que Elodie, elle fait la même chose, donc voilà, c'est toujours plus sympa. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite demain, et pour vous, ce sera la semaine prochaine. Je vous invite vraiment à liker et à vous abonner, c'est pas encore fait, dis donc. Et puis, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.